octobre rose est devenu incontournable dans le paysage périgourdin et doit être synonyme de l'appel au dépistage du cancer du sein. Un grand merci à ceux et celles qui sont venus nous apporter leur soutien cet après-midi. Et je voulais remercier également tous nos concertistes. Nos concertistes, donc, ce sont Valérie Leroux, Charlotte Ségonzac, Emmanuel Filet. Ces trois concertistes ont déjà joué pour nous à la Fondation de Brouille-Laurière. Ce sont des concertistes extraordinaires. Vous pourrez consulter le programme. Le programme, vous verrez que tous les trois ont un parcours assez exceptionnel. Je voulais vous dire seulement que, oui, quelque part, je suis un peu déçue. Le médecin coordonnateur était invité ce soir à notre concert. Je n'ai pas eu de réponse. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe entre la structure de gestion et nous, association, parce que nous devons travailler ensemble. À partir du moment où une personne a reçu une invitation, nous devons leur dire à ce moment-là, surtout ne la mettez pas de côté, c'est notre rôle, nous sommes là pour ça, mais nous devons travailler ensemble. Et j'ai l'impression que depuis quelque temps, il y a quand même un problème de ce côté. Monsieur le secrétaire général, je vais vous demander de faire passer l'information.